Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau café de la transition.
organisé par le média Sans Transition que je représente. Je suis Julien Deséco, le directeur de publication de la revue. C'est le 4e opus des Cafés de la Transition sur le territoire de Provence-Alpes agglomération. Une des rencontres organisée donc par notre revue grâce au soutien de l'Union européenne, programme leader, et en partenariat avec Provence-Alpes agglomération, Eau et Rivière de Bretagne, Agribio 04, la CRES 04, parmi d'autres acteurs qui nous soutiennent. Aujourd'hui, dans un contexte brûlant, puisqu'il fait déjà plus de 30 degrés ce matin, ce midi bientôt, nous recevons Sophie Gosselin qui est philosophe. Bonjour Sophie. Vous êtes également autrice d'un récent ouvrage sur l'eau dont on va parler aussi durant cet échange. Je vous rappelle le principe des Cafés de la Transition. La première partie, ce sera un grand entretien avec Sophie Gosselin qui nous fait le plaisir de venir ce jour à Château Arnoux dans... et Galardo Petrella qui est politologue qui va être avec nous et interagir en direct via le digital. Nous aurons également ensuite Arnaud Clogerie, le directeur d'Eau et Rivière de Bretagne. Ce sera la première partie de la rencontre. Suivront un zoom avec les acteurs locaux de Provence-Alpes agglomération qui viendront interagir avec Sophie Gosselin et nos invités. Et enfin, on terminera par le temps des questions comme chaque Café de la Transition. Ce programme est à voir et à revoir sur le magazine Sans Transition, nos réseaux sociaux. Bon Café de la Transition à toutes et à tous. C'est le grand entretien. Sophie Gosselin, bonjour. Bonjour. Alors Sophie, vous êtes philosophe, vous intervenez dans notre dernier numéro du magazine Sans Transition sur la question de l'eau. On vous a interviewé et forcément cette propos nous a interpellé. Vous parlez beaucoup de commun, vous abordez la question de gouvernance, vous souhaitez des expérimentations sur la gouvernance, de revoir notre gouvernance de l'eau. En ce moment, la question de l'eau, elle est vraiment sur la table avec les méga-bassines. On va peut-être partir de cette actualité avant de démarrer notre dialogue. Vous avez suivi avec forcément beaucoup d'attention les manifestations autour des quais de l'eau, cette eau qui nous manque de plus en plus. Quel regard vous portez sur ces mouvements citoyens qui agissent aujourd'hui pour nous alerter aussi sur notre rapport à l'eau? Bien, quel regard je porte? Déjà, je me sens partie prenante de ces mouvements citoyens. Enfin, j'étais moi-même à Sainte-Soline, parce que je trouve ça essentiel en tant qu'habitante d'un territoire de défendre les conditions mêmes qui nous permettent de vivre. Donc j'estimais que voilà, combattre l'installation de ces méga-bassines était un devoir moral et politique. Donc je soutiens les combats et ceux qui actuellement sont en procès, notamment pour avoir organisé la défense de ces communs. Donc vous soutenez les combats autour des méga-bassines. Je vous invite à parler encore plus fort, oui. À libérer l'énergie, parce que derrière, ils vont pas vous entendre, on va les perdre. Donc cette question des méga-bassines, ok, soutien, ça c'était forcément un point d'activité important avant de dialoguer ensemble. Dans votre propos, dans votre dernier ouvrage, dont vous pouvez nous peut-être redonner les grandes lignes, eh bien vous abordez la question vraiment fondamentale de la gouvernance de l'eau. Pouvez-vous nous en donner quelques éléments? Alors, l'objectif de ce livre, donc, qui s'intitule La condition terrestre, habiter la terre en commun, était d'aller chercher un petit peu aujourd'hui dans le monde les différentes expérimentations qui sont à l'œuvre, expérimentations politiques pour repenser d'autres manières, justement, d'habiter les territoires et de faire politique à l'échelle de ces territoires et de ces milieux qui tiennent compte à la fois de la catastrophe écologique et du coup, les crises auxquelles on est de plus en plus confrontés. Et notamment de la protection, de la défense des communs. Donc ça, c'était l'objectif de ce livre. Donc on a été explorer différentes expériences dans le monde qui reconsidèrent complètement la question de la gouvernance et notamment autour de la question de l'eau. Pourquoi ? Parce que l'eau, c'est pas seulement une ressource, c'est d'abord ce qui nous permet de vivre et c'est ce qui fait lien entre tous les êtres qui habitent un territoire de vie. Et donc notamment, une des expériences qui était importante pour nous dans la manière de repenser l'espace politique, ça a été ce qui s'est produit sur le fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande, avec la lutte portée par le peuple maori, qui a abouti à la reconnaissance du fleuve comme une personne morale, c'est-à-dire une personne collective composée d'humains et d'autres qu'humains.
Donc c'est cette dimension-là, on s'est dit là, il y a quelque chose qui est un basculement politique qui est en train de se faire. Et en fait, ce basculement, il a eu lieu là, mais il y en a plein qui ont lieu actuellement dans le monde et même en France. Moi, je suis en piqué dans le processus du Parlement de Loire qui se déroule sur la Loire. Le Parlement de la Loire, hein, c'est un processus que, dans lequel vous êtes impliqué. Et qu'est-ce que c'est ce Parlement de la Loire? C'est une innovation? Alors, en effet, c'est une initiative, disons, plutôt portée par des structures associatives qui essayent de réfléchir à comment faire politique dans une dynamique qui pense le fleuve et son bassin versant. C'est-à-dire pas simplement le fleuve comme un cours d'eau, mais bien l'ensemble des fleuves, c'est-à-dire tout le cycle de l'eau dans son ensemble, avec aussi toutes les formes de vie que ce cycle de l'eau alimente. Donc l'idée, c'est comment nous, êtres humains, ne sommes pas simplement des résidents sur la Loire, mais nous sommes des membres de cette Loire et de ce peuple de Loire. Et du coup, l'idée, c'est bah, du coup comment on se dote les moyens collectivement à l'échelle de la Loire de créer des institutions qui puissent porter la parole de ce personnage collectif qui est Loire. Alors pourquoi faut-il revoir notre gouvernance? Ça veut dire que celle qu'on a actuellement, dont vous allez peut-être nous redonner les grandes lignes, ne fonctionnerait pas? Alors en effet, c'est le constat qu'on fait dans le livre. Et le constat qu'on fait, c'est qu'il est, c'est pas simplement un dysfonctionnement, disons, superficiel, ni non plus simplement un dysfonctionnement qui est lié à des conflits d'intérêts, même s'il y en a, mais que c'est un dysfonctionnement structurel qui est lié à le contexte historique dans lequel ces institutions se sont créées. Donc pour resituer, hein, fin de la Renaissance, début de l'époque moderne, émergence de l'État-nation, donc l'État-nation, qui va s'imposer à l'échelle planétaire à travers la colonisation et l'économie. Et c'est ce modèle-là, en fait, qui s'est construit sur l'idée que c'était la société humaine qui allait décider, enfin la société humaine réunie en nation, qui allait décider de ses conditions d'existence, mais en considérant tout ce qui n'était pas humain comme étant une ressource à exploiter pour développer et pour développer économiquement la richesse des nations, comme disait l'économiste Adam Smith. Et donc, ce modèle-là repose sur cette coupure entre l'espace politique et les conditions matérielles d'habitation, qui fait qu'on est inscrit dans un milieu, qu'on dépend de communs terrestres, et que le problème, c'est que le fait de les concevoir simplement comme des ressources à exploiter, bah, nous a mené à la catastrophe que l'on vit aujourd'hui. Et donc, le sentiment de nos institutions contemporaines, c'est justement le fait que... Allez-y, poursuivez, on a un petit écho là-dessus. Allez-y. C'est qu'en fait, on arrive à la limite de ce système politique et de cette articulation entre l'État et le capital, c'est-à-dire de cette structure qui suppose un espace politique et de l'autre côté, la nature comme un ensemble de ressources. Ce dispositif-là, il est plus opérant, d'où le fait d'une forme de délégitimation aussi de l'espace politique et des institutions politiques actuelles, qui est liée bien sûr au sentiment de trahison des représentants politiques, mais qui, moi, me semble, est plus profond, parce qu'aujourd'hui, nous vivons un basculement à la cosmopolitique, disons, c'est-à-dire dans la même manière même de s'envisager sur le plan politique et sur le plan d'habiter en commun la Terre, on peut plus être simplement coupé de nos milieux de vie et les concevoir comme des ressources qu'on va gérer. On subit quotidiennement, disons, des violences, on redécouvre notre vulnérabilité physique, physiologique, corporelle. Et du coup, ça nous réaffecte aussi, ça nous rend sensible à la destruction des milieux de vie, sachant que certains scientifiques parlent quand même de sixième extinction d'espèces, c'est-à-dire qui viendrait après la extinction des dinosaures. Donc là, on est à un niveau de destruction qui est absolument inimaginable, en fait. Et donc, les institutions politiques modernes, non seulement ont contribué à provoquer ça, mais en plus, structurellement, ne peuvent pas y répondre parce qu'elles ont exclu justement le milieu et ce qui est appelé la nature. À l'échelle mondiale, cette eau est souvent privatisée, contrairement à des territoires, notamment en France. On va revenir après ici sur Provence-Alpes, l'agglomération, ou sur d'autres territoires où il y a des régies qui existent. Mais concrètement, quelles sont les conséquences de la privatisation de l'eau et les régies? Est-ce que ça, pour vous, c'est quelque chose qui vous permet une gouvernance de l'eau satisfaisante? Alors oui, la privatisation de l'eau et la gestion privée de l'eau me semble être une catastrophe totale. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est la logique du privé dans notre système économique? Le privé, le but d'une entreprise privée, c'est d'augmenter le capital.
Donc ça se fait forcément au détriment de la population, vu que c'est une minorité qui possède le capital, et elle, son objectif premier, c'est de faire du profit. Donc c'est pas de gérer la qualité de l'eau. D'ailleurs, on voit bien aujourd'hui que tout ce qui a été privatisé, en fait, se retrouve dans des logiques prises dans des logiques de rendement, de rentabilité, qui conduisent à dégrader les conditions de vie, les conditions de travail, absolument le vivre en commun. Donc la logique de privatisation qui s'est accentuée à partir des années 80 à l'aune de l'idéologie néolibérale nous mène clairement droit dans le mur. D'ailleurs, c'est ce qui s'est rendu compte, et du coup, il y a eu un mouvement citoyen pour revendiquer une régie publique de l'eau, ce qui me semble être une première étape absolument nécessaire, et là pour le coup vitale, que l'eau qui est un commun soit gérée par l'espace public. Donc ça, il me paraît que c'est vraiment quelque chose de... Je dirais que c'est la chose qui est même pas discutable. Ça devrait être la base, que l'eau soit gérée publiquement. Après, je pense qu'il faut maintenant aller plus loin. Et c'est là que vous, dans votre ouvrage, vous parlez des expérimentations. On a évoqué le Parlement de la Loire, mais il y a d'autres expérimentations. Donc là, c'est les citoyens et les autres acteurs des territoires qui s'emparent de cette gouvernance et qui auraient donc le pouvoir d'influencer. Concret, c'est ça ce que vous les appelez de vos voeux. Alors, l'idée, c'est de dire que c'est très bien cette gestion publique de l'eau, c'est une première étape essentielle et nécessaire, mais maintenant, il faut aller au-delà de vraiment une ressource que l'on consomme. Donc, et malgré tout, l'idée de régie publique reste encore dans cette logique-là. Donc, l'idée, c'est comment on va plus loin en disant d'où vient l'eau que l'on boit. Est-ce qu'elle vient, par exemple, du fleuve? Et si elle vient du fleuve, comprendre tout le cycle de l'eau. Et c'est-à-dire que le fleuve, ça veut dire que l'eau, elle nourrit aussi d'autres espèces. Et qu'il y a toute une dynamique derrière, par exemple, est-ce que l'eau, elle est polluée? Est-ce qu'elle est polluée par certaines pratiques agricoles, industrielles? Donc, ça veut dire que c'est considérer les cycles de l'eau de manière plus générale, et notamment à l'échelle de bassins versants. Donc, ça veut dire, et c'est là la dynamique, par exemple, qu'on essaye d'initier, de développer sur le Parlement de Loire, c'était se concevoir, se penser comme partie prenante, faisant partie de Loire, c'est dire, je ne m'envisage pas simplement comme habitante ou citoyenne de telle métropole qui va consommer de l'eau, mais comment moi, qui fais partie de Loire, je veux prendre soin et participer du soin de cette personne collective qui est Loire. Concrètement, on comprend qu'il faut urgemment revoir notre système de l'eau. Voilà, il y a une première base, il y a une première marche, les régies, et voilà, comment on peut aller beaucoup plus loin. On reviendra sur ce sujet. Dernière question avec vous avant de donner la parole aussi à Ricardo Petrella, qui est politologue et qui est avec nous en ligne sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à, quelque part, donner un vrai prix à l'eau? Dans nos colonnes du magazine Sans Transition, on a interrogé Esther Duflo, qui est économiste de l'environnement, et pour elle, il y a souvent confusion entre l'eau qui relèverait du commun, comme vous l'avez évoqué, et celle plutôt du droit économique. Elle parle d'un rapport contradictoire et elle évoque l'intérêt de donner un vrai prix à l'eau, peut-être pour changer la donne. Qu'en pensez-vous, Sophie Gostin? Alors, disons que d'une certaine manière, je peux comprendre l'idée de donner un prix à l'eau pour, justement, d'une certaine manière, mesurer qui consomme quoi, et du coup, d'être dans cette logique de quantification. Mais le revers de ça, c'est, du coup, de rester dans ce rapport à l'eau, qui est un rapport à l'eau comme ressource quantifiable, au service, essentiellement, des usages humains. Donc, le problème aussi, c'est que, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire de... Ça veut dire de, par exemple, augmenter le prix de l'eau, de la consommation de l'eau, parce qu'on consomme plus. Le problème pour moi qui est là-dedans, c'est que ça suppose que les riches peuvent consommer plus. Et les pauvres, eux, peuvent consommer moins. Donc, au final, ça reconduit les inégalités. Alors que ce qu'il s'agit, c'est de revoir les modes d'habitation. C'est-à-dire prendre conscience des milieux dans lesquels on vit, et prendre conscience des cycles de l'eau et se sentir responsable aussi de ces cycles et des formes de consommation. Par exemple, la généralisation des piscines privées, ça pose problème. Du coup, là, c'est bien un mode de vie qui est en question. Et c'est pas parce qu'on est millionnaire, pourquoi on aurait le droit d'avoir des piscines privées, parce qu'on est qu'on peut, du coup, de payer une eau très chère. Donc, il me semble que là, disons que c'est une vision très court-termiste. Ça suffit pas du tout pour vous. Voilà. Pour moi, c'est pas un horizon politique. C'est pas une transformation radicale à laquelle vous aspirez, si j'ai bien compris votre propos. Voilà, l'objet. C'est-à-dire qu'à court terme, on peut se dire, c'est mieux que rien. Mais, on sait bien qu'avec ces logiques-là de c'est mieux que rien, on va jamais très, très loin. Ça ne suffira pas. Merci Sophie Gosselin pour ces éléments. Je rappelle que pour celles et ceux qui nous rejoindraient
seulement maintenant. Vous êtes docteur en philosophie, auteur de plusieurs articles et ouvrages sur les thèmes de la coexistence avec la nature et des conditions terrestres. Ricardo Petrella nous rejoint donc. Ricardo, vous êtes politologue et économiste, militant pour la défense du droit universel et prioritaire à l'accès à l'eau. Bonjour Ricardo, et vous êtes en train de travailler à nouveau en ce moment, m'avez-vous dit, pour préparer cette rencontre. Oui, vous êtes avec vous, Ricardo ? Bonjour Julien. Oui, j'écoute bien, j'ai tout écouté. Bonjour madame également et aux autres. Je vais dans la ligne aussi déjà développée, et en soutenant effectivement toute une série de propositions qui ont été faites. J'aimerais bien porter l'attention sur une dimension qui n'a pas ou qui a été mentionnée assez rapidement, c'est-à-dire qu'au fond, le problème de l'eau dans le monde pose, au-delà de la question du gouvernement de cet élément vital, qui n'est pas seulement une ressource, justement, mais pose la question, faute de la société face à soi-même, par rapport au concept de droit à la vie, de droit de la vie. Effectivement, la réponse des amis de Nouvelle-Zélande a été magnifique, fantastique, c'est-à-dire, au fond, les fleuves sont des sujets des personnalités morales comme nous, quoi. C'est parce que nous sommes, l'argument de Maori a été toujours de dire le fleuve c'est moi, le fleuve c'est nous. Et c'est important cette notion de concrétiser alors l'idée du droit. Qu'est-ce que ça veut dire le droit à l'eau? Ce n'est pas seulement gérer, gouverner bien, c'est l'ensemble de cet élément vital dans les bassins versants, c'est de savoir est-ce que nos sociétés s'engagent à ce que les éléments vitaux pour la vie et pour l'ensemble des habitants de la Terre, êtres humains et espèces, autres espèces vivantes, aient un droit. Or, effectivement, depuis 30 ans, presque plus, les sociétés dominantes ont imposé que ce n'est pas l'accès à l'eau un droit. L'accès à l'eau, c'est un problème des relations vitales. Sans l'eau, on ne peut pas vivre, donc il faut donner l'accès. Et la réponse des dominants a été, c'est tellement fondamental cet accès, qui est important pour toutes les activités économiques. Au fond, le monde, l'univers économique et des notions économiques doit inspirer l'accès à l'eau. Et cela s'est traduit par le fait que depuis 20 ans a été consacré dans toutes les résolutions des institutions internationales, l'ONU, etc., que le problème c'est l'accès à l'eau sur des bases équitables. Ce n'est pas la justice. La justice, ce n'est pas l'équité. Et à prix abordable. Et donc, cela signifie que si tu ne peux pas payer même le prix abordable, ben, tu ne peux pas avoir l'accès et les producteurs d'eau ne te donneront pas l'accès à l'eau. Donc, la question fondamentale. Ricardo. Oui. Ricardo, le mot équitable, je pense que c'est un mot clé là, dans ton tout propos. Tout à fait. Peut-être une réaction, Sophie, à ce qu'on vient de dire, Ricardo. Pour tout à fait. Je trouve que c'est très important, cette question du droit, d'avoir le droit à l'eau, parce que ça pose l'idée d'une norme qui doit être reconnue. Comme quand on revendique un droit, on dit c'est une norme, un principe moral, politique qui doit être reconnu. La seule limite, c'est qu'on a bien vu déjà avec les droits de l'homme, hein, les droits de l'homme existent, ils ont été déclarés en 1989, et malgré tout, ces droits ne sont pas appliqués. Au final, ces droits ne sont pas appliqués, c'est-à-dire qu'ils correspondent bien à un idéal moral vers lequel, à partir duquel on peut juger des sociétés, des formes politiques, mais ce qui manque, c'est la prise, disons, populaire, politique, sur la possibilité de les appliquer. C'est-à-dire que quand l'ONU dit « il faut un droit à l'eau », d'accord, mais c'est quoi, par exemple, on laisse s'implanter des entreprises qui vendent les terres aux agriculteurs, qui vont capturer les sources d'eau à leur profit, ça veut dire quoi le droit à l'eau? Le droit à l'eau est une abstraction, si ce n'est pas reposé et resitué par rapport à des formes d'habiter collective, à des manières de faire communauté. Et c'est là où la question du droit pose aussi, enfin nous on s'est intéressé à la question dans le livre, la question de la coutume. C'est-à-dire aussi quelle pratique, quelle manière de faire droit à l'échelle des territoires de vie par des communautés, c'est ça qu'il s'agit de défendre.
et permettre la mise en place, et pas rester que dans des principes universels qui sont importants du point de vue de la reconnaissance en termes de justice, en termes de normes, mais qui ne sont pas suffisants, il me semble, sur le plan politique. Il faut aller plus loin. Quelque part, ça fait trop longtemps que ces droits sont en attente, dites-vous, et maintenant, il faut passer à une autre étape pour peut-être transformer ces droits en réalisation plus concrète. C'est bien cela? Ben, pour moi, ça suffit pas que l'ONU dise il y a ce droit. Disons que ça donne une légitimité. Ouais. Mais derrière, c'est exactement, par exemple, c'est la question de la terre aussi, hein, sur les réformes agraires qu'il y a pu avoir en Amérique du Sud. À un moment, on dit, oui, il y a le droit à la terre. Le droit qui à les terres? Qui peut cultiver ces terres? Comment on les cultive? Est-ce que il y a une appropriation par une minorité qui possède ces terres? Alors, du coup, bah, tout ça devient une espèce d'abstraction. Donc, la question, c'est quel processus politique on met en place pour que les habitants, à l'échelle de leur territoire, puissent, au final, bah, réellement se reprendre la main sur les conditions de subsistance. Ricardo, est-ce que tu es toujours avec nous en ligne? Oui. Oui, et les processus politiques sont importants, voilà. Parce qu'il ne faut pas renverser alors la question. Le fait qu'on ne parvienne pas à réaliser le droit universel, c'est parce que notre système culturel, politique, économique dominant ne reconnaît pas les droits universels. C'est tout. Ce n'est pas parce que on n'a pas encore réalisé le droit à la vie pour tout le monde qu'il faut modifier le droit à la vie et qu'il faut commencer à dire à quel niveau, de quel système, de quel espace territorial on va organiser la vie, et si on arrive à le faire dans ma petite commune, alors tant mieux, et puis le reste on laisse tomber, parce qu'il ne pourrait pas y avoir une universalisation concrète du droit à la vie pour tous. Ça me paraît un tout petit peu de dangereux, cela. C'est-à-dire que l'objectif doit être réalisé, et que si on n'arrive pas, il y a des raisons pour lesquelles on n'arrive pas. Nous n'arrivons pas parce que les groupes sociaux dominants, et je termine, Julien, nous n'arrivons pas parce que les groupes sociaux dominants, à l'heure actuelle, ne reconnaissent plus la validité du principe des droits universels. Et ce n'est pas en donnant à la Loire, à l'espace de la Loire, le droit de pouvoir se donner les droits à l'eau que le problème sera résolu. C'est un point de départ, bien entendu, mais ce n'est pas la solution finale. On a bien compris. Alors, solution finale, on va pas retenir ce mot. Par contre, on a bien compris tout le reste. OK pour voir les dissonances avec Sophie Gosselin. Dernière question, Ricardo, sur la Banque mondiale, puisqu'on parlait d'objectifs, estime à 114 milliards les besoins pour remplir les objectifs en eau potable et assainissement. Alors, concrètement, comment on finance? Parce que bon, bien, je pense qu'on va être nombreux autour de la table à être d'accord pour faire reconnaître droit à l'eau ou accès, mais à un moment, il y a la question de la financement aussi. Le financement de l'eau dans une société qui se dit à économie capitaliste de marché est une grande mystification, parce que dans cette économie de marché capitaliste, il n'y a de financement possible que celui qui donne des retours sur l'investissement au moins égal à la moyenne du rendement des capitaux investis. Et à l'heure actuelle, effectivement, nous avons, nos sociétés ont abdiqué, ont confié aux marchés boursiers, qui sont les marchés les plus spéculatifs de gestion dite gouvernance des capitaux mondiaux, la responsabilité de décider les principales allocations des capitaux par rapport au secteur prioritaire et aux modalités prioritaires. La question de la biodiversité dans laquelle entre l'eau a été réglée en décembre dernier 2022 à la COP 15 sur la biodiversité, où tous les États ont accepté que la seule manière, modalité efficace de financer la restauration de la qualité de la vie sur la planète, c'est de confier au marché boursier la gestion des ressources de l'eau limitée ainsi que des autres ressources naturelles en les réduisant. Et ce texte, ça c'est une révolution terrible,
une des plus grandes révolutions que les dominants ont réussi à faire, en plus du droit des brevets des propriétés intellectuelles sur le vivant, c'est de considérer tous les éléments de la nature, qui sont chers également à notre collègue, tous les éléments de la nature, de considérer des savoirs financiers. Et ils s'en fichent éperdument que ce soit bien commun, que ce soit droit, que ce soit ceci, que cela, que c'est l'État, que c'est les nations, que c'est le local, que c'est le mondial. Eux, ils considèrent que l'eau doit être financée par les systèmes de finance mondiale compétitive spéculative, parce que tout est réduit à un avoir financier. L'eau est un avoir financier. Les arbres sont des avoirs financiers. Et on parle d'or bleu et on en parle de plus en plus. Merci Ricardo d'avoir été avec nous et tu peux rester bien sûr encore un peu avec nous si c'est possible. Je reste avec vous avec plaisir. Formidable. Formidable. On a Arnaud Gosselin également, d'eau et rivière. Arnaud Clogerie avec nous, d'eau et rivière. Bonjour Arnaud, navré pour cette présentation. Oui, bonjour. À la droite. Bonjour. Et encore merci d'être avec nous en ce dimanche, en direct du marché de Château-Arnoux-Saint-Auban. Arnaud, tu as écouté avec attention tout ce qui a été dit. Peut-être une première réaction avant de nous parler de l'action d'Eau et Rivière, qui est une association emblématique sur les questions de l'eau, et de nous dire justement comment, sur votre territoire, vous imaginez des innovations, peut-être aussi autour de cette gouvernance de l'eau dont on a beaucoup parlé. Bah oui, comment j'ai entendu et écouté ce qui vient d'être dit, je suis rassuré parce que je me retrouve totalement dans les propos qui ont été tenus par Sophie Gosselin autant que par Ricardo, et ça ne m'étonne pas puisque en fait cette réflexion sur les gouvernances et les droits pour la nature, Oui Rivière l'a entamé lors de ses 50 ans en 2019 et avec l'aide de Ricardo qui s'était déplacé en Bretagne, mais aussi des Maoris que nous avions fait venir pour les entendre nous parler de cette évolution. On fait un peu le même constat, enfin on fait même complètement, parce que finalement ces gouvernances sur le papier tout va bien, on a la directive 4 sur l'eau, on a la loi sur l'eau, on a des SDAG, des SAG, enfin j'en passe et des meilleurs, et puis finalement quand on observe la nature, enfin l'état de nos rivières, eh bien on n'est pas du tout au niveau. Alors pour nous le problème il est multiple, hein, ils ont déjà été évoqués. Le premier c'est le respect de l'état de droit. On a beaucoup parlé de droit, mais finalement la première des choses serait de prioriser le respect de l'application des lois dont on est doté, plutôt que de favoriser systématiquement la paix sociale, c'est-à-dire la pression mise par les lobbies pour conserver leurs acquis. La deuxième, c'est semblant de dialogue environnemental dont on nous parle. Je dis semblant parce que en fait, on a des espaces de dialogue, mais qui sont complètement composés d'assemblées où on fait la part belle aux agents économiques et où les conflits d'intérêts. On parle de quels espaces, Arnaud ? Eh bien, par exemple, les comités de bassin. On parle de la Loire, on a le comité de bassin sur les 6 agences de l'eau, mais aussi la façon dont sont composées les commissions locales de l'eau dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Regardons un petit peu la composition des tours de table et on verra que les élus, par exemple, qui se présentent, sont parfois, ou même très souvent, trop souvent, élus avec une casquette d'agent économique, hein, agriculteur, représentant industriel, et finalement viennent peser complètement et mettre en minorité les quelques représentants d'associations de protection de la nature ou consommateurs. Là, on a un biais énorme qui est celui de la façon dont sont composées les tours de table qui devraient permettre. Et ça c'est problématique pour toi, donc il faut revoir ça, forcément. Bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi Nous, on a, par exemple, je vais aller sur des solutions, mais sur la question de la recomposition des tours de table, ça passe par un point qui doit être soulevé, c'est celui de l'appropriation par le technique et le scientifique de la gestion de l'eau. Et nous, on pense, et c'est ce qu'on a appris des Maoris, on pense que la technoscience, elle doit être complétée par ce que Bruno Latour appelle la question des attachements. C'est-à-dire les citoyens doivent être réhabilités dans le pouvoir qu'ils ont à exprimer un point de vue sur la gestion,
parce que ils ont une légitimité, c'est celle de leurs attachements, qu'elles soient culturelles et patrimoniales, Ils se font et passer, ça là. doit être remis en avant. Nous, on le fait au travers d'un outil que l'on a, parce qu'à un moment donné, il faut passer par du concret. On déploie avec la région Bretagne et l'association des présidents de clés une démarche qui s'appelle la réalisation d'atlas socioculturel des rivières et des fleuves bretons. C'est quoi cette démarche? C'est de compléter l'état des lieux des rivières, qui en général n'a été fait que autour des questions de tuyaux, de quantité, de pollution, enfin de mesures de pollution, la compléter par une vision qui est celle de la vision des attachements de la communauté de destin que représentent les habitants autour d'un fleuve côtier breton. Et ce faisant, donc vous pourrez aller chercher Atlas du Belon, qui est la première expérimentation menée sur la Bretagne. Il y en a quatre en ce moment. Ce faisant, l'ambition, c'est de faire rétablir la légitimité des citoyens qui ont une approche sensible de la question de l'eau, de les faire revenir dans les tours de table du dialogue environnemental. Moi, je rêve que le président de la commission locale de l'eau de mon quartier soit non pas l'élu à l'environnement qui souvent est issu soit du monde industriel, soit du monde agricole, mais pourquoi pas l'élu en charge de la culture dans le territoire. Parce que finalement, ça nous traverse et ça embarque l'ensemble de la communauté de destin autour de cette gestion de l'eau. Et je pense que On a bien compris ton le rééquilibrage permettra de prendre des meilleures décisions dans la gestion de l'eau. Merci beaucoup Arnaud pour ces éléments. Un dernier petit tour de table avant de conclure ce grand entretien croisé. Peut-être Ricardo, 1 minute réaction sur ce que tu viens d'entendre et 1 minute Sophie et ensuite on va passer au Zoom sur les territoires ici de Provence-Alpes agglomération. Ricardo? Oui, le problème de l'eau, ce n'est pas simplement l'élément vital. Le problème de l'eau, ce n'est pas simplement l'argent qu'on met. Le problème de l'eau, ce n'est pas simplement les processus politiques. Comme on vient de le dire, au fond, nous sommes en train de découvrir, pas tous, que le problème de l'eau, c'est la vision culturelle, humaine, profonde que nous avons de la vie. Et que c'est là qu'il faut intervenir. Tant que ma thèse, tant est que l'eau est considérée l'or bleu, et dans cette psychologie-là on agit, eh bien on ne résoudra jamais le problème de l'eau. L'eau n'est pas de l'or, l'eau c'est nous, et l'eau c'est notre culture, l'eau c'est la tradition, c'est nos envies, c'est nos désirs, ce sont nos aspirations, ce sont nos idéaux, ce sont les droits, c'est la démocratie, c'est la liberté, c'est le partage, c'est la fraternité, ça c'est l'eau. Et quand on fait la politique de l'eau, on ne fait pas tout ça souvent. On ignore tout le reste. Cette vision pan-économique, utilitaire, terrible qui nous domine. Et je crois que là, c'est le plus grand danger pour l'existence de l'eau et de la vie sur la planète. Merci Ricardo pour ce rêve aussi réactivé autour de l'eau, rêve commun à réinventer. On entend qu'on l'a oublié. Sophie, peut-être un dernier mot pour conclure cet entretien croisé. Oui, je dirais que je suis tout à fait d'accord avec cette notion de redonner une parole, une place, une légitimité aux habitants et en effet aux attachements. Je pense que c'est vraiment à partir de là qu'il y a une nouvelle forme de faire politique, hein. Quand je dis politique, c'est pas au sens politicien, mais c'est comment on reprend en main collectivement notre destin commun. Donc c'est là où je pense que cette question des attachements est fondamentale parce qu'elle permet de s'inscrire dans une culture plus large, une culture de bassin versant, une culture biorégionale. Il me semble que c'est plutôt ça qu'il s'agit de nourrir. Et là, ça pose plein de choses. C'est repenser cet espace politique, comme ça a été suggéré, inventer des contre-pouvoirs pour justement petit à petit réussir à sortir de cette logique strictement gestionnaire, instrumentale, économiciste de l'eau, et aussi toute la dimension de l'éducation, de se resensibiliser aussi au territoire de vie et de s'en sentir responsable et engagé dans ces territoires. Donc c'est là où, et ça pour moi, ça va pas contre une prise en compte d'une dimension, disons, intermondiale, c'est-à-dire qui dépasse le simple localité. Puisque c'est ça que nous dit le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau nous dit, ben, nous dépendons aussi de l'océan, nous dépendons des pluies, donc nous dépendons, tous les territoires dépendent de conscience que nous sommes attachés, nous sommes dépendants de notre milieu. C'est aussi prendre conscience de notre condition terrestre.
Merci Sophie pour cette conclusion. Merci à tous les trois pour cette première partie qui sera à voir et à revoir sur le site sanstransitionmagazine.info. C'est déjà le temps file, on a même un peu de retard, et c'est déjà la deuxième partie de cette rencontre avec les acteurs locaux de Provence-Alpes-Agglomération. Merci Arnaud, merci Ricardo. J'espère que vous restez encore avec nous. Si c'est toujours le cas, il n'est pas exclu qu'on se reparle. À tout de suite. Retour au plateau, toujours à l'épicerie des Champs, en direct du marché de Château-Arnoux-Saint-Auban, sous un beau soleil de septembre. On est la plupart en train de boire un verre d'eau, et c'est forcément ce sujet de l'eau qui nous anime toutes et tous. Je vais vous proposer une petite vidéo qui s'appelle Élu à l'eau. Et ensuite, on se retrouve avec notamment Denis Baille, qui est vice-président à l'eau et l'assainissement agriculteur en conversion bio sur la commune de Thoire. À tout de suite. Élu à l'eau. En 2010, Merci. l'accès à l'eau et à l'assainissement a été reconnu comme un droit humain fondamental par les Nations Unies. Seulement, 10 ans plus tard, les défis restent immenses. Voici les faits. Sur 7 milliards d'êtres humains, nous sommes 6 milliards à posséder un téléphone portable. Pourtant, seulement 5 milliards ont accès à l'eau et 3 milliards ont des toilettes. En France métropolitaine, 1 400 000 personnes n'ont pas d'accès permanent à une eau saine à un prix abordable. Parmi elles, 250 000 vivent dans la rue. Dans les départements et régions d'outre-mer, la situation est critique. L'eau est trop coûteuse, les coupures sont fréquentes et les installations manquent. Alors que la pandémie du Covid-19 fait des ravages et que les gestes barrières sont les premiers remparts de protection, les personnes vivant à la rue ou en bidonville se retrouvent sans accès quotidien à l'eau pour boire ou se laver. Par conséquent, elles ne peuvent respecter les mesures d'hygiène et encore moins vivre dignement. Il faut agir vite. Nous avons besoin d'élus qui se mouillent pour des politiques de l'eau ambitieuses sur leur territoire et à l'international. Il y a des solutions. Déploiement d'installations publiques d'eau, d'assainissement et d'hygiène dans les espaces publics et lieux collectifs. Raccordement des zones d'habitation informelles à l'eau courante. Tarification progressive et sociale de l'eau pour aider les ménages les plus pauvres. Soutien à des projets de coopération décentralisée pour l'eau et l'assainissement avec des collectivités étrangères. Par exemple, via le mécanisme du 1% solidaire eau. Les élus ont le pouvoir. Jetez-vous à l'eau. Rendez-vous sur l'eauestundroit.fr pour découvrir comment agir pour un accès universel à l'eau et à l'assainissement, ici et ailleurs. Ça, c'est un truc de l'ONU, ça. Avec cette courte vidéo élu à l'eau, on voit bien aussi le pouvoir qu'ont les élus, notamment locaux, pour transformer notre gestion de l'eau, inventer des nouveaux systèmes collectivement. Nous sommes avec Denis Baille. Bonjour Denis. Bonjour. Vous êtes vice-président à l'eau et l'assainissement et agriculteur en conversion bio sur Provence-Alpes agglomération. Vous avez écouté avec attention les débats qui ont eu lieu entre Sophie Gosselin et Ricardo Petrella ainsi que Arnaud Clégerie d'Eau et Rivière. Peut-être une réaction d'abord avant de présenter l'action de votre territoire, une réaction sur ce que vous avez entendu, vous, en tant qu'agriculteur. Oui, bah, j'ai partagé beaucoup de choses qui ont été dites. C'est sûr que l'accès à l'eau n'est pas équitable actuellement. Il y a des organisations qui font que, comme ça s'est dit, les riches peuvent en profiter plus que les autres, ceux qui ont les moyens de l'acheminer. Et puis pour nous, pour ce qui nous concerne, par rapport à l'équité, par rapport à la distribution, il y a la volonté des acteurs locaux, mais il y a aussi la loi qui nous encadre. Et la loi, est-ce qu'elle est faite pour les utilisateurs finaux? C'était la question qui a été posée par rapport au droit. Et là-dessus, il y a beaucoup aussi de choses à faire. Et moi, je me pose toujours la question par rapport à l'humanisation du territoire, c'est-à-dire que on a toujours l'envie de d'humaniser les choses pour que
pour pouvoir les utiliser de manière humaine, ce qui est pas mauvais, mais c'est que les droits qu'on met, c'est toujours des droits humains, et que du coup, par rapport à la nature, par rapport à l'utilisation, il y aura toujours cette idéologie dominante qui fait que les droits, on les fait en fonction aussi de ceux qui ont l'influence pour les mettre en place et pour les faire appliquer. Voilà. Vous essayez malgré tout de changer des choses sur le territoire. Vous avez mis en place une régie. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ce projet qui a été créé sur Provence-Alpes Agglomération? Oui. Alors la régie publique, on a créé sur Alpes Agglomération en 2020 une régie publique de l'eau à simple autonomie financière, ce qui veut dire que ce sont les élus qui gèrent et c'est pas la régie qui est autonome et qui fait ce qu'elle veut de ce côté. Donc en principe, les élus représentent le peuple, malgré ce qui a été dit, mais malgré toutes les nuances qu'on peut y mettre, et donc on peut dire que les usagers sont en principe les représentés pour gérer l'eau. Nous, comme je disais, il y a la volonté locale, il y a la loi aussi. On a sur le territoire de Provence-Alpes-Agglomération, il y a 46 communes, et il y avait dessus 44 services d'eau différents. Donc la loi nous a obligé les communautés de communes à prendre la compétence eau et assainissement, et la communauté a fait une régie publique sur les 46 communes. Donc qu'est-ce que ça va changer? Excusez-moi, pour qu'on comprenne bien. Concrètement pour l'usager, pour les acteurs, c'est quoi la différence maintenant de cette régie? Ben, a priori, ça change surtout pour les communes puisqu'ils n'ont plus la responsabilité de la distribution de l'eau. La régie globale, on est 31 000 abonnés sur le territoire, ce qui fait qu'en principe, on peut répartir les moyens. Comme on disait à ceux qui ceux chez qui ça coûte beaucoup et ceux chez qui c'est plus facile et que ça coûte moins, le prix est harmonisé, ce qui fait que tout le monde paye le même prix sur la régie. Ça, c'est un point important pour vous, l'équitabilité de l'eau sur le territoire. C'est ça. Oui, ça, c'est très important. Par contre, par rapport à ce qui était dit, qui finance l'eau sur ces questions-là, moi, je me dis que dans tous la nécessité des services des sociétés humaines, on a inventé quelque chose de formidable. C'est la répartition des moyens de chacun par rapport aux besoins publics, c'est l'impôt. Et je me dis que l'impôt pourrait participer à organiser les services publics et à les financer. Sauf que là, la loi considère que les services de distribution d'eau potable et de l'assainissement, ce sont des services publics, industriels, financiers, et que de ce fait, ils doivent être financés par la vente de la distribution de l'eau. Et donc, l'eau paye l'eau, hein, voilà, dans le milieu. Et elle ne peut pas être abondée par le budget général, donc par l'impôt. Et ça, c'est un frein pour vous, Claire. Moi, je pense que c'est un frein clair. Après, ce qu'il faut, la volonté qu'on a nous aujourd'hui dans ces conditions-là, effectivement, c'est de dire l'eau paye l'eau, rien que l'eau et toute l'eau. Voilà. Et donc la répartition du prix, ça on peut la faire. La répartition de la ressource, on peut pas, parce que quand on est à Saint-Auban et qu'on est à Seine-les-Alpes et qu'à Seine-les-Alpes il y a une source et qu'à Saint-Auban il y a un forage, l'eau de Saint-Auban on pourra pas l'amener si elle est abondante, on pourra pas l'amener à Seine. Donc l'organisation du territoire par rapport à la distribution est plus compliquée que le financement. Voilà. Donc justement, cette organisation-là, vous y travaillez aussi. Peut-être une dernière question avant de laisser la parole aussi à Sophie, qui va peut-être nous donner aussi son regard sur l'organisation que vous mettez en place. Concrètement, vous avez mis cette régie, la loi vous l'a demandé. Est-ce que vous êtes déjà sur le coup d'après? Est-ce qu'il y a une étape 2, post-régie, vers quoi on va? C'est quoi le projet? Oui. Sur le territoire. Alors déjà, la régie, la loi nous l'a pas imposé, la loi nous a imposé la compétence, mais nous, on a choisi la régie parce qu'on aurait pu choisir une délégation de service public et la donner à Veolia, voilà. Excusez-moi, vous avez raison, c'est le choix que vous avez pas fait. Peut-être pourquoi ne pas avoir fait ce choix-là, déjà en un, et ensuite en deux, c'est quoi l'étape d'après, pardon? Voilà. On a choisi ça parce que les élus de l'agglomération étaient unanimes pour dire que l'eau devait être gérée par la puissance publique et non pas par des acteurs privés. L'étape d'après, là tout de suite, comme on est une régie très jeune, ça fait 3 ans qu'on existe, donc il y a encore beaucoup d'installations à mettre en place pour garantir aussi les normes de potabilité pour tout le monde, parce que c'est assez compliqué. Et là, on est en train de calculer, de mettre en place, de faire une étude pour mettre en place un prix social, c'est-à-dire que
de pouvoir, comme ça a été dit, même au sein de la régie, ceux qui ont, qui consomment pas beaucoup d'eau et qui ont des gros moyens, ben, ils se font financer par les grands, qui ont des multiples enfants et qui ont une consommation énorme et qui payent des grosses factures. Donc l'idée, c'était de pouvoir répartir selon ce que la loi permet, parce qu'elle ne permet pas tout. Et, on comprend que vous êtes encadré et que ça, c'est aussi une difficulté pour vous. Voilà, et pour mettre un tarif social et pour pouvoir permettre aux gens modestes d'avoir le même accès à l'eau par rapport à non seulement à la distribution de la ressource, mais aussi à la possibilité financière de chacun. Dernière question encore qui me vient là en vous écoutant, est-ce que vous aspireriez à ne plus être, d'avoir une gestion vraiment locale, de ne plus être encadré autant, puisque vous évoquez les freins de l'encadrement national, est-ce qu'il faut dépasser ça? Comment on pourrait le faire? Quelles sont vos idées? Forcément, vous en avez, vous êtes aux manettes ici, oui, sur le territoire. Je pense que quand même, il faut des directives nationales parce que un cadre, oui, à minima. On ne sait pas ce qu'on pourrait faire au niveau local. Ça pourrait mal tourner. Un cadre à minima, mais un cadre logique qui garantisse l'équité justement et la distribution et l'accès à l'eau de tous. Vraiment, qu'on arrête avec les financements le financement privé avec des grandes entreprises comme on en connaît ici et qui font l'investissement qu'ils font et qui cherchent du retour sur investissement. Comme voilà, ça a été évoqué par Ricardo Petrella notamment. Exactement. Tout à l'heure. Ça, pour vous, stop. On a bien compris votre propos. Sophie Gosselin, une réaction peut-être? Oui, ce que je trouve très intéressant dans ce qui a été dit, c'est notamment en effet la question du droit. La question du droit à l'accès à l'eau est importante, mais elle reste quand même dans une logique anthropocentrée. Et qu'il me semble qu'il est vraiment important, et c'est ça qui est très intéressant dans tous les processus autour des droits de la nature, comme dont l'exemple maori, c'est de prendre conscience que, ben, en fait, c'est de l'ensemble, nous faisons partie d'un ensemble, et que c'est cet ensemble qui doit être reconnu comme aussi sujet de droit. Donc ça, c'est quelque chose qui permet tout à coup de déplacer et d'être plutôt dans une vision éco-centrée et pas anthropocentrée. Ça fait qu'on se réinscrit tout de suite en relation aux autres formes de vie. Donc ça, c'est vraiment une dimension qui me semble importante. Et l'autre aspect important, hein, par rapport à la gestion publique de l'eau, c'est que c'est aussi une première étape pour commencer à concevoir, comme vous le disiez, hein, il faut penser la source, ceux qui gèrent la source en amont et ceux qui se retrouvent en aval. Et donc, ça peut pas être que local. Il faut penser à des solidarités à l'échelle de bassins versants, puis même entre bassins versants. Donc, ça veut dire que c'est aussi une nouvelle géographie politique qui va se dessiner à partir de l'eau, parce que les cycles de l'eau, en fait, commandent de penser autrement l'espace politique. C'est là où la question de l'État, c'est-à-dire je suis d'accord qu'il y a besoin de cadres pour pas tomber dans des formes de clientélisme local et des prises de pouvoir qu'il y a aussi à l'échelle locale. On peut pas fantasmer non plus le local comme étant toujours idéal, mais il me semble que le dispositif État national, pour l'instant, n'arrive pas en fait à inadéquat par rapport à une nouvelle géographie, nouvelles territorialités qui sont en train de se dessiner justement du fait de la prise en compte de l'importance de la dimension de l'eau. Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci Denis Bail pour cet échange. Je vous propose de regarder ensemble une vidéo, parce qu'ici forcément la durance c'est un point d'eau incontournable, donc on va partir à flot sur la durance quelques instants, et puis on va continuer nos échanges avec vous, bien sûr Sophie, avec Ricardo qu'on va reprendre ensuite en ligne, et puis avec Laurent Bouvin qui est agriculteur sur le plateau de Valensole, membre d'AgriBio 04, Fabienne Guyot de la chambre qui travaille dans le secteur agricole, pardon, et puis Daniel Lamadeleine, fondateur de l'association Lassistude. À tout de suite. Sécheresse et canicule, pénurie en 2022. L'eau est plus que jamais la priorité absolue. Nous sommes au bord du lac d'Espinas, au pied du barrage de Serre-Ponçon. À partir d'ici, l'eau de la Durance est détournée de son cours naturel. Elle est acheminée jusqu'à l'étang de Berre, dans un canal usinier de 250 km où elle est turbinée et distribuée aux ayants droit sur son parcours. En amont, notre Durance a perte de vue. La confluence Durance, Verdon, un biotope remarquable.
en aval de la confluence, le bassin de délimonnage de Cadarache, vaste plan d'eau de 120 hectares. Puis, la Durance et le canal reprennent leur parcours jusqu'à la commune de Malemort. Asséchée depuis le barrage de Serponçon, la Durance le restera jusqu'à son confluent avec le Rhône, aux portes d'Avignon. À Malemort, le canal usinier, côte 123 mètres, quitte le val de Durance pour rejoindre l'étang de Berre. Sur ce parcours, le canal EDF alimente plusieurs canaux à cette côte 123. Deux canaux à Malemort, six canaux à Lamanon-Aiguière, leur débit total maximum est de 100 mètres cubes par seconde. Le partiteur d'Aiguière distribue l'eau dérivée du canal usinier à Lamanon, dans trois canaux, le canal de Craponne, le canal de la Vallée des Baux, le canal du Moulin d'Aiguière. Le canal, désormais hors du Val de Durance, alimente la centrale de Salon et la dernière centrale du parcours, l'usine de Saint-Chamas. Son eau rejetée dans l'étang de Berre détruit sa vie marine et y est dénaturée, gaspillée. Nous sommes dans la situation de Jean de Florette. Instruit par son malheur, nous sauverons l'eau de Provence. Voilà. Retour en plateau après cet excellent documentaire sur la Durance. On remercie vraiment la réalisation pour ces belles images. Et une question donc ici sur Provence-Alpes Agglomération, la gestion de l'eau, ou comment gérer le manque d'eau. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Laurent Bouvin, agriculteur sur le plateau de Valensole, membre d'AgriBio 04, est à nos côtés. Bonjour Laurent. Bonjour, à vous, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre ici en direct du château Arnoux-Saint-Auban, le marché. Vous avez vu ces images, vous connaissez forcément mieux que toutes et tous la problématique. Comment vous gérez ce manque d'eau ou comment vous essayez de le gérer dans votre quotidien? Alors, c'est un très vaste sujet. Il y a plusieurs sujets. Il y a le problème de l'eau potable, parce que je suis confronté au problème de l'eau potable et au problème de l'eau à usage agricole. En tant qu'agriculteur sur le plateau de Valensole, il faut peut-être préciser que on est dans les Alpes de Provence, c'est déjà un département qui est soumis à des rigueurs climatiques extrêmes. Les sécheresses, on connaît depuis toujours, mais ça s'arrange pas. Et le plateau de Valensole a la particularité au sein des Alpes de Provence d'être à 600 mètres d'altitude, avec l'eau des Alpes qu'on voit passer, mais en contrebas, 300 mètres plus bas. On est sur ma commune limitée par la Durance, par le Verdon et par l'As. Donc l'eau sur le plateau de Valensole, ça a toujours été un problème. Ça limite les possibilités de culture, ça limite les possibilités de développement même des communautés humaines, puisque les villages qui se sont développés sur le plateau sont très peu nombreux, il y en a un tous les 15 kilomètres. Chaque fois, c'est lié à des zones de source. Les zones de source sont très rares. Alors, ça a toujours été, mais ça s'accentue avec le changement climatique. Ça s'accentue. C'est là qu'il y a quelque chose de nouveau. Oui, mais on part déjà de on a l'habitude de gérer la pénurie. Voilà. C'est déjà un premier problème. Parce qu'il y a quand même des sources. Sinon, il n'y aura pas de communauté humaine du tout. Bon. Et alors, le problème de l'eau locale, par rapport à la potabilité de l'eau, les ressources locales d'eau, la nappe phréatique, les nappes phréatiques, parce que sur le plateau d'un sol, c'est compliqué, sont polluées par l'agriculture, ont été polluées par l'agriculture intensive qui a été pratiquée les décennies précédentes et encore aujourd'hui. À savoir que, par exemple, moi qui suis agriculteur bio sur une centaine d'hectares, j'ai une source sur ma ferme, sinon il n'y aurait pas de ferme, une petite source. Bien, cette source, elle est à 80 mg par litre de nitrate, alors que je fais du bio autour sur 100 hectares, parce que on a produit du blé dur et on en produit encore en quantité massive sur fertilisation. Donc les nappes locales sont polluées, polluées aussi par les désherbants utilisés dans le lavandin. C'est une grosse culture de lavandin. Donc une ressource rare et difficile. Et polluée aujourd'hui et qui est donc devenue inexistante. Il y a des projets de reconquête de cette ressource hydrique locale. Mais ça va prendre des décennies. C'est-à-dire que là, l'eau locale est polluée pour des décennies. Il y a plein de captages qui sont définitivement pollués et impropres à la consommation humaine.
comment on fait actuellement. C'est un long très large, c'est au-delà même du plateau de Valensole, on est de plus en plus dépendant des pompages faits sur le Verdon, et ça prend une ampleur, on est vraiment dépendant de quelques canalisations au final. Et si un jour, on peut imaginer qu'un semi-remorque se renverse dans le Verdon et le pollue, on est mort, mais complètement mort. Quoi. Il y a la... En plus, il y a des fluctuations de population liées à la... une saisonnalité liée au tourisme qui fait que les ressources, les besoins en eau potable augmentent de manière phénoménale à certains moments, et les ressources en eau ne seraient plus capables même d'alimenter ces besoins. Donc c'est très tendu. Et dans ce contexte, comment vous naviguez, vous? Et alors je parlais de l'eau agricole parce que je suis agriculteur. Bien sûr, c'est le sujet. Et oui. Et alors déjà, chose de très très importante, parce qu'on parle de l'eau, mais l'eau vient forcément de la pluie. Et on n'est pas en manque de pluie si on raisonne en termes de pluviométrie annuelle actuellement. Ça va évoluer avec le climat probablement. On est encore en moyenne à 650 mm par an, ce qui est 650 litres par mètre carré, ce qui est tout à fait raisonnable et peut-être même supérieur à certains autres endroits en France, je pense notamment au Grand Est. Pourquoi ? Mais ici, l'air est extrêmement sec, donc il y a beaucoup d'évapotranspiration et il fait potentiellement très chaud. Donc, ça tire beaucoup. Et puis, on a des phases de sécheresse de plus en plus importantes. Ici, on sort de 2 mois de sécheresse consécutive avec les canicules, et quand il pleut de manière trop violente. On a des phénomènes cévenols avec les sols qui sont forcément et là toute la problématique du sol, et c'est là-dessus que je veux venir, parce que le sol doit absolument jouer son rôle d'éponge pour capter ces 650 mm d'eau pour ensuite les restituer aux cultures. Ma problématique, elle est là. Donc ça veut dire je suis parti du conventionnel pur et dur il y a 30 ans pour arriver maintenant à de la permaculture sur 100 hectares. Avec des couverts, avec des grosses exploitations, quand même. Mais grosses en surface, mais ça veut rien dire en termes de productivité, justement, dans les conditions du plateau au sec. Okay. Si on relativise, dans la Beauce, on fait 100 quintaux à l'hectare de céréales. Chez nous, quand on en fait en bio 15, c'est très bien. Voilà. Je donne une ordre d'idée. Mais on s'en contente. Donc, ça implique d'avoir de la surface pour arriver à faire vivre une famille. Donc, c'est ce que vous faites. Et du coup, vous gérez ce manque d'eau, qu'est-ce que vous avez mis en place de manière très concrète? Des couverts végétaux partout. Un travail du sol minimal. Partout. Ça a commencé avec les oliviers, on a 100 oliviers, on a laissé pousser un couvert spontané entre les oliviers depuis maintenant 26 ans, ce qui nous fait une expérience sur le long terme, dans des pentes qui sont à 30%. Je peux témoigner qu'avec tous les orages qu'on a eu, tous les cévenols qu'on a eu, il n'y a aucune ravine sur ces terres extrêmement pentues. Ça marche, ça fonctionne. Pas, mais bien sûr que ça fonctionne. On a vraiment, on parle toujours de la concurrence des couverts végétaux. Enfin, comme s'il n'y avait que cet aspect-là, il ne faut pas laisser de couverts végétaux entre les lavandes, entre les oliviers, parce que ça concurrence les cultures. Mais en fait, c'est tout le contraire qui se passe dans nos conditions justement très sèches. C'est que les couverts végétaux permettent de stocker de l'eau, font pousser en plus de la biomasse qui va ensuite servir à nourrir le sol. Donc c'est un cercle vertueux, mais qu'il faut mettre en place. Et les pratiques tardent à se mettre en place. Il n'y a pas en fait d'imposition par le dessus. On va dire, alors la PAC évolue petit à petit, mais c'est très lent, il y a tellement d'inertie, il y a tellement de freins, qu'il y a vraiment des marges de progrès énormes à faire, notamment donc chez nous sur dans les zones d'agriculture sèche. Merci beaucoup pour ce retour. On voit que vous essayez de vous adapter au maximum dans un contexte complexe ici, avec une expérience de longue date, avec aussi des difficultés à surmonter, et aussi forcément la question du modèle économique derrière, qui va pouvoir se mettre en place en bio comme dans n'importe quelle forme d'agriculture. Merci d'avoir Laurent pour ce témoignage. Je vais demander à Fabienne Guyot de prendre votre place. On va faire un changement en live sur le plateau. Fabienne, venez nous rejoindre, vous allez passer devant la caméra, voilà, hop. Et là, d'une agriculture, merci, à tout à l'heure, d'une agriculture à l'autre. Vous êtes, Fabienne, vous, salariée dans le monde agricole, vous intervenez dans un syndicat qu'on ne citera pas, enfin pas un syndicat, mais en tout cas dans une chambre qu'on ne citera pas. Vous connaissez bien cette question du monde agricole. Quelle réaction suite à ce que vous venez d'entendre déjà à l'instant de la part de Laurent, puis peut-être des précédents invités? On vous écoute. Oui, merci beaucoup. J'ai toujours travaillé dans le monde agricole. D'abord 7 ans, les canaux que vous avez présentés tout à l'heure en croc sur des gros canaux gravitaires
et des associations syndicales. Je travaille aujourd'hui à la Chambre d'agriculture, hein, donc je suis là en tant que technicienne, que conseillère auprès des agriculteurs. Et le sujet de l'eau est un vaste sujet, avec des problématiques politiques, de gouvernance, mais aussi techniques sur le terrain agronomique. Et donc les interventions aujourd'hui sont très très intéressantes, notamment sur la gouvernance de l'eau. Ce que je pourrais dire à mon niveau, hein, c'est que en tant que technicien, on jongle sans cesse avec les politiques, la réglementation, les préoccupations des agriculteurs et leurs besoins sur le terrain, pour essayer de faire au mieux en matière de gestion de l'eau. Mon précédent travail en CRO auprès des associations syndicales autorisées me fait poser la question aujourd'hui, hein, des biens communs, justement. On a ces structures collectives de droit public qui sont présentes un peu partout en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et qui peuvent être un exemple de gestion commune d'un bien commun en termes de ouvrages gravitaires. Oui, alors ces associations, en fait, autour d'un ouvrage commun, la gouvernance de ces canaux-là, c'est l'ensemble des propriétaires qui ont un droit d'eau. Donc, les parcelles cadastrales sont dans les statuts de ces structures et par ricochet, les propriétaires de ces parcelles gouvernent l'ouvrage collectivement. Alors, la plupart sont de type agricole, sur des secteurs agricoles où le parcellaire est plutôt agricole, mais on a de plus en plus des ouvrages mixtes avec des canaux qui traversent des centres-villes et des collectivités, et donc des adhérents qu'on appelle nous urbains qui utilisent cette eau pour l'usage des jardins. L'accompagnement de ces structures-là, on le fait encore aujourd'hui plutôt sur des petits canaux de montagne. Je peux témoigner de la difficulté aujourd'hui de maintenir ces structures-là, parce que il faut du monde bénévole pour gérer ces structures, pour en être président, conseiller syndical et pour organiser. Et malheureusement, on a de moins en moins de prétendants pour la gouvernance de ces ASA. Et puis une autre difficulté, on en a parlé tout à l'heure, c'est les politiques de l'eau aussi. Où sur un bassin versant, on a une vision technocratique des choses, où on a calculé des débits, des volumes prélevables, etc. Et ces canaux qui, pour la plupart, sont gravitaires, dérivent un volume d'eau conséquent par rapport au droit d'eau. Donc, dans les plans de gestion de ressources en eau, on a des discussions et l'État prendre des arrêtés ou des mises en demeure de réduire les prélèvements d'eau, ce qui est en cohérence avec les politiques publiques de préservation des milieux, hein, mais qui peut poser des soucis de maintenance de ces structures-là. Alors, avant de laisser la parole à Sophie Gosselin en réaction justement sur ces ASA, notamment la question de la gouvernance locale, une dernière question sur le modèle agricole. Est-ce que comment on voit bien l'urgence de revoir nos pratiques? On voit bien les difficultés que posent les pollutions. Ça a été dit le témoignage juste avant. On voit bien, je vais m'en occuper du micro, vous inquiétez pas. On voit bien ces difficultés-là. Comment sur le terrain, avec des agriculteurs en conventionnel, certains ont envie de changer, certains sont en conversion, mais d'autres n'ont pas du tout envie de changer. D'autres veulent pas, n'ont plus le temps, sont bêtes à la retraite, sont surendettés, ont d'autres problèmes que ça. Selon vous, revoir urgemment ce modèle dans un contexte de raréfaction de l'eau? On vient de voir qu'il va falloir nous apprendre à gérer le manque d'eau. Oui. J'allais dire, c'est notre métier de conseiller, d'accompagnant. On accompagne en fonction du besoin de l'agriculteur, de ses problématiques, de ses priorités aussi. Donc pour certains, c'est une urgence de se convertir au bio. Pour certains, c'est une urgence de se sécuriser parce que jusqu'à présent, ils arrivaient à avoir une agriculture au sec
Mais aujourd'hui, face au changement climatique, ces pratiques-là sont quasiment impossibles. Donc, selon les secteurs, selon les demandes, on accompagne au mieux soit la mise à l'irrigation, ce qui peut aujourd'hui, dans le contexte actuel, être politiquement mal vu, mais on explique, on essaye de faire de la pédagogie, que ce soit auprès de l'agriculteur pour avoir des besoins en eau les plus limités possibles, et que ce soit auprès aussi des politiques publiques ou de la société civile pour expliquer pourquoi ces besoins, pourquoi avant on pouvait faire sans, mais aujourd'hui c'est nécessaire d'amener l'eau. Et puis sur d'autres secteurs où à l'inverse les consommations d'eau sont importantes et où on a des marges de manœuvre, eh ben on explique ces marges de manœuvre et on essaye. Alors un gros moment de mon temps de travail, c'est d'aller chercher des financements pour soutenir ces projets-là et pour pouvoir sortir des plans de gestion qui sont des programmes d'action à la réalité de réalisation et à l'accompagnement concret de ces projets-là. Merci Fabienne Guyot pour ces éléments. Une réaction Sophie Gosselin avant de donner la parole à un autre intervenant du territoire. Oui, je voudrais peut-être réagir sur plusieurs choses. La première, c'est cette question de la pollution qui me semble vraiment importante. Parce que là, il y a quelque chose qui doit susciter presque en nous une colère. Enfin, c'est-à-dire qu'on vit dans des milieux qui ont été rendus malades et qu'on ne peut plus se permettre. Enfin, c'est là où il y a véritablement une urgence, en effet, on est en train de dévaster des milieux qui ont mis des siècles, des millénaires à se constituer et qui vont devoir, par exemple, sur les aquifères, hein, qui mettent des milliers d'années à se constituer et qui vont mettre encore beaucoup de temps à se reconstituer. Donc là, il y a véritablement une urgence. Et il me semble que c'est là où il y a aujourd'hui, il me semble, des contradictions sur le plan politique, sur le fait qu'en même temps, on puisse mettre en place des processus d'accompagnement. Et en même temps, on voit bien que la terre est de plus en plus accaparée par des industriels. C'est-à-dire que d'un côté, on va donner mission, par exemple, à des personnes comme vous, d'accompagner des petits agriculteurs ou des moyens d'agriculteurs. Puis d'un autre côté, il y a des espèces de fermes avec des milliers d'hectares qui sont gérées industriellement, dont le, par exemple, c'est ça le projet hein, proposé par Emmanuel Macron de Ferme France, où là, on est sur un modèle de production industrielle du vivant où il n'y a même plus besoin d'agriculteurs. Donc là, on est dans une schizophrénie complète qui, elle, va aller complètement dans le sens d'une destruction du milieu. Il semble que là, il y a vraiment une question presque à un sursaut, je dirais, presque vital à se rendre compte qu'on doit se réinscrire dans une dynamique de soins. Comment on va soigner les territoires qu'on habite et dont on fait partie. Et donc voilà, donc c'était, je dirais, la première réaction. Merci Sophie. Soigner, je vous laisse remettre votre micro, soigner les territoires, prendre soin, vital, il y a quand même des mots-clés là, on voit que solidarité, on a entendu aussi tous ces éléments. Voilà, donc cette partie agriculture se conclut. Merci Fabienne. On va continuer avec les acteurs locaux de Provence-Alpes Agglomération. Deux acteurs qui sont engagés sur la question, l'un de la, notamment de la biodiversité, et ensuite plus la partie culturelle. Daniel Lamadelaine, vous êtes fondateur de l'association Lassistude. Bonjour Daniel, venez nous rejoindre. Alors, on partage les micros, il y a le mot partage aussi hein, dans cette rencontre aujourd'hui. Alors Daniel, Lassistude, en quelques mots, c'est une association de protection de l'environnement, engagée dans la biodiversité ici sur le territoire à Château-Arnoux-Saint-Aubin. Vous m'expliquiez pour préparer cette rencontre que vous avez un projet de protection des milieux. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? C'est moi qui vais vous passer le micro. Je vais le garder à la main. Donc, l'association Lassistude a une quinzaine d'années d'ancienneté maintenant. C'est une association qui a pour vocation d'essayer de préserver la biodiversité, donc tous ces êtres qui vivent autour de l'eau sur ce carrefour. Alors, pas seulement sur la zone de l'escale, la retenue de l'escale, mais aussi sur la petite retenue de Maligé et puis sur le lac d'Aimé. Alors, pourquoi tout ça? Ben, tout simplement parce qu'on s'est aperçu que depuis les années 60, donc la mise en eau des grands barrages, entre le lac de Serre-Ponçon, lac artificiel, et la confluence de la Durance avec le Rhône, on a une cinquantaine de zones humides qui sont apparues, toutes artificielles,
tout au long de cette rivière. À l'origine, on a une rivière en tresse à régime torrentiel avec une certaine biodiversité dessus, qui était certes limitée. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, alors que partout ailleurs, sur notre département, mais un peu partout dans le monde, la biodiversité recule, nous on s'aperçoit qu'on a de plus en plus d'espèces nouvelles qui passent ou qui vivent ici sur notre secteur. Alors pourquoi ça? Ben, tout simplement parce que, étant situé au cœur des Alpes sèches, comme la majorité de nos intervenants l'ont précisé, cette cinquantaine de nouvelles zones humides ont permis de nouvelles espèces d'arriver. Actuellement, sur la retenue de l'Escale, on a environ 190 ou 200 espèces d'oiseaux différents qu'on peut y observer sur une année. C'est-à-dire que ça en fait une des zones les plus importantes en termes de biodiversité aviaire, après la Camargue pour la région PACA. Donc ça, c'est quand même extrêmement positif ce que vous êtes en train de nous dire. C'est extrêmement positif, mais c'est quelque chose d'artificiel. Est-ce un problème? Ce n'est pas un problème en soi par rapport à la biodiversité, mais c'est quelque chose d'artificiel. Et comme tout ce qui est artificiel, ça peut être quelque chose de très éphémère. Actuellement, la retenue de l'Escale s'envase à une vitesse grand V avec les limons qui sont transportés par la rivière. Sur ces limons transportés par la rivière, eh bien, on a quelques espèces qui tirent leur profit, les roseaux, les peupliers, les moustiques et les sangliers. Et malheureusement, on en est là. Si aujourd'hui il n'y a pas une gestion qui est faite sur cet espace-là, bien, petit à petit, on va aller vers encore plus de désagréments pour l'ensemble des gens qui vivent autour. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur des milieux artificiels. Il faut malheureusement qu'il y ait une gestion qui soit amenée. Sinon, on va avoir une fermeture du milieu complète et qui amènera rien de obligatoirement de bon. On a bien compris donc ces conséquences qu'on doit gérer désormais maintenant, parce qu'on a créé aussi le problème, on a participé activement à le créer. Merci pour ces éléments, Daniel. Sophie, une réaction peut-être à ce qui vient d'être dit? Oui, en effet, on est en train de vivre une situation où beaucoup d'espèces se déplacent, donc ça modifie complètement nos environnements, et ça c'est vraiment partout. Et je voulais juste témoigner d'une expérience donc sur laquelle j'ai enquêté cet été. C'est dans le Haut-Diwa, où justement ils sont aussi confrontés à ces problèmes de sécheresse et d'arriver de nouvelles espèces. Et ce qui est intéressant, c'est que donc c'est le Gaec de Mont-Lahuc qui est donc dans le Diwa, près de Die, en Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, dans la Drôme, sur la vallée de la Drôme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils justement ils essayent d'expérimenter des pratiques agricoles qui vont composer et s'allier avec les formes de vie et notamment des nouvelles espèces qui vont arriver. Donc parmi ces espèces, il y en a une qui paraît hostile à l'agriculture et surtout à l'élevage, qui est le loup, mais il s'agissait de trouver comment faire alliance malgré tout avec le loup, comment cohabiter dans cette montagne avec le loup, et aussi plus récemment donc les castors. Et ce qui est intéressant, c'est que les castors se sont rendus compte que c'était vraiment un allié pour réhydrater les milieux et les terrains, justement pour recréer des zones humides. Et donc là, c'est intéressant parce que le pari est fait de « on va laisser une partie du terrain au castor ». Parce que le castor, au final, si on a une vision plus générale, justement, du cycle de l'eau de manière plus large, eh ben, le castor, en fait, participe à renourrir et à restabiliser le cycle de l'eau. Il me semble que là, il y a vraiment quelque chose à réinventer. C'est là où les pratiques, les usages peuvent devenir, enfin, si on les remet dans une perspective plus générale de bassin versant et de cycle de l'eau, peuvent véritablement être le lieu d'invention. Parce qu'on parle beaucoup d'adaptation, mais on a toujours l'impression qu'on s'adapte de force à que des contraintes. Mais il y a aussi une dimension d'invention pour réapprendre à habiter nos territoires et se retrouver des attachements avec les formes de vie qu'on avait complètement perdues. Une opportunité peut-être faire la place à ces difficultés. Peut-être une dernière réaction, Daniel, et après on va passer la parole au dernier intervenant. Oui. Donc nous, ce qu'on préconise au niveau de l'association maintenant, en partenariat avec les communes, puis aussi avec le propriétaire, entre guillemets, un petit peu de l'eau, qui est EDF, parce que sans EDF, la retenue n'existerait pas, c'est d'arriver à une gestion à travers une réserve naturelle.
Et là, je pense que les choses, pour la première fois, ont avancé depuis maintenant bientôt 65 ans. C'est la première fois qu'on arrivait à mettre vraiment toutes les communes, EDF, la région, le département autour d'une table pour que l'ensemble des utilisateurs prennent en charge à travers un comité de gestion l'ensemble de la problématique. Merci Daniel, ça donne de l'espoir, c'est dynamique. Merci à vous, merci à nos invités. Avant de poursuivre la discussion, c'est la dernière partie, il nous reste un petit quart d'heure à passer ensemble, le temps des questions. Je garde le micro, oui. Dernière partie de nos échanges. On va continuer donc pendant cette petite quinzaine de minutes ensemble. Avant de donner la parole à un dernier acteur local du territoire de Provence-Alpes Agglomération qui a préparé aussi une question pour l'intervenante, même si elle nous parlera aussi d'une expérience fort enrichissante du côté de Barcelone qui va nous permettre de continuer à réfléchir. J'ai déjà une question pour... je pense que Ricardo est encore en ligne avec nous. Non, il est plus là. Bon, ce sera pour vous, Sophie, hein, cette question. Cette problématique de la gestion de l'eau, demande Mélerine, concerne tous les pays du monde. Pourquoi une coalition concrète et mondiale n'existe-t-elle toujours pas? On revient au global, cette question qui est posée par un internaute. Pourquoi une coalition mondiale n'existe-t-elle toujours pas, selon vous? Parce que, disons qu'il y a eu plein de tentatives, justement, que ce soit l'ONU, les COP21, enfin les COP en général, c'est l'objectif, normalement, c'est ça. Sauf que c'est bien ça l'impasse. C'est d'avoir cette perspective qui se pose déjà du point de vue global, me semble être une impasse, parce qu'elle se situe hors sol. Alors qu'il me semble, il s'agit de le travail, c'est quoi le travail? C'est de reprendre conscience que le cycle de l'eau, on fait partie de ce cycle de l'eau. Donc pour ça, ça demande de réhabiter ces territoires. Et ce n'est qu'à partir de ça qu'on va prendre conscience que justement les questions de l'eau sont interdépendantes à l'échelle terrestre. Mais ça demande un temps qui n'est pas la vision, hors sol, zénitale des institutions internationales. Donc, il me semble qu'il y a véritablement aujourd'hui une impasse où on reste. Vous voyez, à chaque fois, on voit bien le petit documentaire de l'ONU. C'est très bien à dire, oui, on va donner un droit à l'eau pour tous. Mais vous voyez, on a l'impression que c'est des grandes abstractions, quoi. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça donne quoi ici, comment maintenant? Ça se traduit concrètement, ce droit à l'eau? Enfin, s'il n'y a pas des gens qui se sentent véritablement concernés, qui développent des pratiques agricoles ou autres, qui permettent au cycle de l'eau de se renouveler. Moi, c'est ça, concrètement. Donc, c'est à partir de ça que quelque chose, moi, je préfère le terme d'intermondial, plutôt que d'international, puisqu'on ne peut plus sortir du paradigme national pour plutôt penser depuis les cycles de l'eau. On a donc avec nous également Cécile, qui est de l'association Graines de Culture ici à Château-Arnoux. Bonjour, Cécile. Bonjour. Je vais garder le micro. Vous avez écouté avec attention tout ce qui a été dit. Peut-être, avant peut-être de poser votre question à notre invité, une expérience dont vous vouliez nous parler en une minute, mais qui est intéressante du côté de Barcelone, qui a une problématique de l'eau très forte. Oui. Donc oui, notre association, on est dans une maison commune et nous avons le but de faire de la sensibilisation à la transition écologique. On a presque 10 ans d'existence. Ça a été initial justement à l'occasion de la marche du climat autour du lac dont le monsieur de la Sistude a cité tout à l'heure en 2014. Et notre nos ateliers à la fois de jardinage, de cuisine, etc. Sont toujours l'occasion de sensibiliser à tous les thèmes de la transition écologique qui s'interfèrent tous entre eux, notamment celui de l'eau. Donc pour le jardinage, c'est de l'eau si possible non potable, c'est pas toujours la possibilité, et pour la cuisine, de l'eau potable, mais en faisant attention à l'économiser, etc. Donc à essayer, la première chose que j'essaie de faire passer, c'est qu'on est, nous, plus la faune et la flore, sommes faits d'une majorité d'eau. Donc vraiment la sensibilisation, voilà. On est là-dessus. Donc, mais peut-être juste du coup, oui. De rapprocher justement au global, mais à l'inter. Je vais changer le terme. Intermondial. Voilà, intermondial. Je vais changer mes termes. Peut-être on peut venir sur l'expérience de Barcelone. À l'occasion justement d'échanges avec Barcelone via les réseaux Erasmus, je me suis rendu compte que en fait, donc Barcelone, une mégapole où il y a
une course à l'augmentation de la fabrication d'eau potable. Donc, on a visité les deux zones de fabrication d'eau potable et la zone de recyclage des eaux polluées. Ben, effectivement, c'est très bien, mais l'eau, elle est premièrement, l'eau potable est de pas très bonne qualité. Elle est polluée par le fait des désinfectants. Elle provoque de des maladies. C'est de l'eau désinfectée et c'est de l'eau de mer désalinisée. C'est de la, il y a une partie de l'eau de, il y a de l'eau potable traitée et de l'eau de mer désalinisée. Et en fait, dans les deux cas, elles sont faites par osmose inverse, qui demande une consommation d'énergie qui est énorme et qui contribue à aggraver le problème du CO2 et du climat, puisque ça demande énormément d'énergie. Donc, je me suis rendu compte, en fait, que, encore une fois, le problème est dépassé, le problème de pollution est déplacé avec une aggravation de la qualité de la qualité de l'eau et l'aggravation de l'effet sur le climat, puisque ça consomme énormément d'énergie pour, à la fois pour traiter pour en eau potable, pour une eau qui est en plus de moindre qualité. Merci pour cette réaction. Je sais que certains, sans y souscrire, mais je sais que certains travaillent sur des alimentations à partir de l'énergie solaire aussi, et que la question du coût énergétique pourrait être, non pas réglée, mais en tout cas minimisée. Une réaction, Sophie Gosselin ? Ben pour moi, ça met en lumière les limites des réponses technicistes. C'est-à-dire, on pense qu'il suffit de trouver le bon dispositif technique pour résoudre le problème et que si un bon ingénieur nous trouve un bon dispositif technique, on va résoudre le problème climatique. Alors que ben non, on voit bien depuis tout à l'heure les discussions, c'est que c'est bien des pratiques, des manières d'habiter qui sont en jeu et comment on se relie aux autres formes de vie, comment on fait communauté. Donc oui, c'est des questions bien plus complexes, bien plus difficiles à mettre en œuvre que des solutions techniques qui en fait à chaque fois finissent par aggraver le problème parce qu'au final, elles reconduisent le même système qui est en question. Comme là, la question de la désalinisation où en fait, il faut tellement d'énergie pour désalinisé, on va prendre d'où cette énergie ? Parce que ça veut dire construire des centrales nucléaires qui vont provoquer l'évaporation de l'eau. Donc du coup, au final, on s'en sort pas. Une espèce de cycle qui est de cercle vicieux, là où en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment mettre tout en œuvre aujourd'hui pour redévelopper des pratiques, des formes d'habiter, des formes de communauté à l'échelle des territoires qui soient alternatives. Développer des communautés alternatives, développer des solutions alternatives. Merci pour ces mots qui vont nous permettre de conclure. Merci à vous pour vos questions. Merci à tous les acteurs qui ont permis cette rencontre. Genre, bien sûr, la technique avec Benjamin Thérault, Quentin Zinzius à la caméra, Mélerine qui est derrière les réseaux sociaux, et puis nos partenaires sans qui cette rencontre n'aurait pas pu avoir lieu. Le soutien, bien sûr, du programme européen Leader, et puis Provence-Alpes Agglomération, la CRES 04, la Chambre régionale d'économie sociale solidaire, l'association Lassistude, Eau et Rivière de Bretagne, AgriBio 04, et puis, évidemment, nos intervenants, intervenantes. Merci, Sophie Gosselin, pour d'être venue jusqu'à nous pour cet échange, quitte à voir et à revoir sur nos réseaux sociaux, ceux de Sans Transition et de nos partenaires. Et puis, bien sûr, en visio, je remercie aussi Arnaud et Ricardo pour la qualité des échanges. Merci à toutes et à tous.